Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une démonstration de la nouvelle grille de chez Rocco, une grille digitalisée, tonnerisée donc. Elle est rapportée par une locomotive de l'Atra. Alors bien entendu, c'est une grille de la Deutsche Bahn, donc de la DB allemande, mais des parts couleurs, on pourrait très bien imaginer que cette grille circule également en France. Pour des entretiens, travaux, voire même relevage de matériel moteur en cas de déraillement. Donc la machine, je l'ai ramenée avec une autre locomotive, que je vais la détacher d'ailleurs. Donc voilà, je vais vous présenter la grille Rocco. Le moteur est bien entendu activé. J'ai dit d'activer le moteur. Je vais vous le remettre le moteur après, je vais d'abord faire une présentation de la grue. Voilà, terminé, très bien. Donc la grue Rocco, c'est une grue digitale, très sophistiquée, qui dispose de 20 fonctions. Parmi celles, il y a évidemment les feux avant-arrière, blancs. Vous avez la sonorisation touche F1. Vous avez la fonction rotation de la grue, droite-gauche. Vous avez le levage de la flèche, c'est-à-dire cette partie-là. Vous avez la sortie du bras télescopique. Vous avez le levage du crochet. Vous avez l'éclairage du travail, donc vous avez des projecteurs qui vont s'allumer sous le bras télescopique ainsi qu'en cabine. Vous avez des bruits comme le compresseur, un clapton court, un clapton un peu plus court. Vous avez le bruit des passages sur les rails. Et vous avez deux fonctions qui vous permettent la mise en transport et la mise en travail. Mise en transport, ça veut dire que vous appuyez dessus, la grue, quelle que soit sa position, va se mettre dans la position telle que vous le voyez devant vous sur l'écran. Donc, position transport. Position travail, la grue va commencer à démarrer, se lever et se mettre avec le crochet en l'air, être prêt pour que vous puissiez jouer. Quand je dis jouer, c'est bien jouer. Ah ah, quelle question. Jouer. Mais jouer à quoi? Ben, cette grue, en fait, elle est destinée de part et d'autre pour les travaux. Travaux de voirie, levage d'aiguillage, de rails, de matériaux ou de matières, par exemple des bogies ou des choses comme ça pour l'entretien. Vous avez également, ça c'est plus rare heureusement, mais ça arrive, c'est le levage du matériel roulant qui aurait éventuellement déraillé. Les sangles sont fournies avec la boîte, ainsi que des crochets, plein d'accessoires. Également les pieds pour mettre les vérins en place, pour que la grue ne se retourne pas sur les côtés. Bref, elle est très très bien équipée. Le wagonnet est fourni avec, c'est les petits wagons plats, donc vous voyez ici le contrepoids, qui est lourd d'ailleurs, en métal. Normalement ce contrepoids, il s'accroche à l'arrière de la grue lors du levage lourd. Vous avez la poutre qui est posée dessus, qui vous permet de faire des levages lourds là aussi, en mode levage, écarter les crochets avec les sangles. Et puis, j'ai à peu près tout dit, en gros. Maintenant, je vais vous la mettre en service. Donc, il y a l'éclairage simple, avant-arrière. Vous avez l'éclairage de travail. Donc, ça, c'est les fameux phares. Non, c'est pas allumé. À sortir ou à rentrer dans les yeux, en dessous, tout le châssis, c'est très simple, d'ailleurs je l'ai essayé. Il suffit de tirer pour que la grue soit autonome, ou la rentrer tout simplement pour que la grue soit indépendante.
Voilà, donc là j'ai mis en mode autonome, ça veut dire que ma grue elle va rouler toute seule normalement. Elle est bien, voilà. Je recule un peu, voilà. Très bien. Maintenant, je vais mettre en service. Bon, il y a l'éclairage qui me manque. Voilà. Je vais mettre en service la grue. Alors, je vais déjà faire marcher les moteurs. La tonorisation, quoi. Vous avez des clapetons également. Voilà. Bon, je ne vais pas tout faire fonctionner, mais en gros, je vais vous montrer déjà la grue. Voilà, le moteur il tourne. Je vais appuyer sur la touche F19 pour aller. Non, pardon, sur la F18 pour aller en mode de travail. Tout est fait automatiquement. Il va monter jusqu'en haut. Ça dépend. Parce qu'en haut, vous avez un système de fin de course qui est en quelque sorte l'arrêt d'urgence pour le trophée pour qu'il ne tire pas au point de faire claquer la ficelle qui est fournie là. Voilà, la grille est devenue immobile. Je désactive la 18. Alors, vous avez deux possibilités. Moi, j'ai la multi-mouse, il faut que j'active la fonction F2. Sinon, sur une application, c'est très simple, vous jouez avec, directement avec les fonctions qui sont appliquées sur l'écran. Je mets la touche F2. Ma grille va tourner à droite ou à gauche avec la molette de vitesse. Je l'arrête quand je veux, où je veux, comme je veux, libre à chacun de faire ce qu'il a envie de faire. Donc je vais m'arrêter là, voilà. J'ai bien fait gaffe qu'il y a un lampadaire ici. Je vais monter la grue. Donc monter la grue, c'est la touche F8. Alors je vais la monter au maximum pour voir un petit peu les limites. Les capacités. Normalement, ça doit s'arrêter automatiquement. Voilà. Je vais sortir le bras télescopique, qui est la touche F1. Là aussi, je vais voir les limites. Bon, j'ai pas mis les vérins. Normalement, je pourrais mettre les vérins parce qu'on est déjà bien déporté. Mais vu que je ne vais pas lever de charge, je ne risque pas grand-chose. Je ferai d'autres vidéos bientôt, une fois que j'aurai un petit peu pris l'habitude, avec des secours d'intervention et puis peut-être des travaux, je verrai. Ce sera la surprise. Voilà, donc la grille, le portique, pardon, enfin le bras télescopique est sorti au maximum. Je peux toujours tourner la grille. Attention au lampadaire, hein, il va aller de l'autre côté. Voilà. Ensuite, il y a la possibilité de faire monter et descendre le crochet. Je vais arrêter là. Je vais remonter le crochet. C'est le F3. Voilà.
les magnifiques grues. Franchement, Rocco a fait très peur. La rotation, évidemment, elle n'est pas définie, je peux tourner où je veux. Une rotation complète, voilà, c'est prévu. Je vais voir ce que ça donne maintenant. Je vais appuyer sur la touche de travail pour la mettre en mode transport. Donc j'appuie sur la touche F20. Normalement, tout doit se remettre en place, prêt pour être en mode de transport. C'est automatique. On va voir ce que ça donne. C'est parti. F19. Donc. Donc il y a les crochets qui rentrent juste en haut, le bras télescopique qui rentre, la grue qui baisse. D'accord, maintenant elle commence à tourner. En fait, elle a choisi, elle a remarqué qu'il y a le côté le plus court. Donc c'est même automatique, c'est très beau, c'est magnifiquement bien conçu. On va le voir qui... Si le crochet va bien trouver sa place, sa bonne place. J'espère que oui. Oh là là, non, pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il tourne le crochet, mais il n'est pas... Non. Voilà, sa mise en place est terminée. Là, je peux la faire rouler à nouveau. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment superbe. En plus, le gabarit est tel que vous pouvez facilement la ranger sous un garage, un hangar, un portique, une rotonde. Évidemment, le gabarit vous permet de la rentrer sur les contournements. Bref. Un sublime modèle, je ne vous dis pas. Elle est vraiment sympa, cette grue. Plus que sympa, c'est vraiment un progrès technologique. Je me permets de dire que c'est vraiment quelque chose d'inédit sur les marchés du modélisme, surtout en grande série. Cette grue, vous la trouvez en jaune, en rouge, d'Espagne, et de ne me trompe pas également en version autrichienne. Voilà. Il y a évidemment un beau petit carnet qui est livré avec, un petit fascicule, en plusieurs langues, et qui vous permet d'expliquer comment utiliser cette grue. Je précise également que grâce à l'application qui est très facile à utiliser, l'application Z21 sur un téléphone, smartphone pardon, ou une tablette, et vous avez la possibilité de rajouter un joystick, une manette de jeu,
compatible Bluetooth de dernier modèle, comme par exemple la manette de PlayStation que j'ai. Je vais vous montrer ça la prochaine fois pour une mise en jeu sur un. Allez, je vous ferai la surprise, j'en dis pas plus. Mais j'éclaterai la manette de jeu, donc. Ça sera certainement un jeu d'enfant. Et voilà, donc un bon début pour vous montrer un petit peu la grue. Sublime. Et moi, je vous dis à bientôt, à la prochaine pour une autre vidéo. Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, ce qui me permettra de me faire beaucoup plaisir, ainsi qu'à vous. Et pour ceux qui n'ont pas encore choisi l'option de vous abonner, je vous conseillerais vivement de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous aurez, ne raterez pas les prochaines vidéos et vous aurez l'occasion d'avoir de nombreux déjà en ligne. Voilà. Je vous remercie de votre confiance et à la bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.